Chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver sur la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal. Donc voici les principaux titres. La Commission électorale nationale indépendante CENI estime que la demande de présentation des insignes des partis politiques à la CENI ne viole pas l'article 27 du Code électoral. Et dans une interview accordée à la radio Isanganiro, François Bidimana, commissaire chargé de la communication et de l'éducation électorale, avance que cette disposition concerne la déclaration des candidatures et que la CENI n'a demandé que des insignes. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Donald Trump vient d'être élu 47e président des États-Unis d'Amérique au cours des élections qui se sont passées le 3 novembre. Les informations tirées sur France 24 indiquent que du côté du camp des démocrates, des interrogations se passent dues parti l'air et défaite. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Je vous le disais en titre, la Commission électorale nationale indépendante CENI estime que la demande de présentation des insignes des partis politiques à la CENI ne viole pas l'article 127 du Code électoral. Dans une interview accordée à la radio-télévision Isanganiro, François Bidimana, commissaire chargé de la communication et de l'éducation électorale, avance que c'était disposition concerne la déclaration des candidatures et que la CENI n'a demandé que des insignes. Il le déclare après que certains responsables des partis politiques se soient plaints que cette activité viole cette disposition et que cela risque d'entraver la formation des coalitions politiques suivantes. Il dit très bien l'article, c'est dans la déclaration des candidatures. Ce n'est pas dans la déclaration des insignes des partis politiques. C'est tout. Il y en a dedans, dans cet article. Justement, au moment de la présentation des candidatures, l'insigne d'un parti politique sera un des éléments du dossier. Ça, c'est clair. Et c'est pourquoi nous demandons aux partis politiques de se préparer dès maintenant pour qu'ils soient en ordre avec cet insigne qui sera d'ailleurs nécessaire pour la confection des bulletins de vote. Mais ça sera contenu dans le dossier de candidature le moment venu. Mais aujourd'hui, la CENI n'a jamais demandé aux partis politiques ou même aux indépendants de présenter les candidatures. Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Et au moment où la CENI va demander aux partis politiques, aux indépendants et aux coalitions des partis politiques, ce jour-là, les coalitions des partis politiques auront déjà vu le jour. Si ces coalitions existeront, ils auront déjà vu le jour. On ne va pas, au niveau de la CENI, demander à quiconque de présenter sa candidature avant la période où les partis politiques auront l'occasion de former les coalitions. On ne va pas le faire. L'organisation ONLCT, où est ton frère, est militant contre le trafic. Il met en demande au gouvernement burundais de collaborer avec d'autres États pour que les ambassades et consulats puissent délivrer provisoirement des documents au Burundi en quête de ces documents. Et dans un communiqué de ce mercredi, Prime Mbarubukeye, président de cette association, dit se référer sur des cas récents d'arrestation des étrangers à Lusaka en Zambie, dont 58 Burundais n'ayant pas des papiers valides. On l'écoute. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONST ou ton frère, voudrait profiter de cette occasion pour faire un clin d'œil aux jeunes Burundais qui constituent la catégorie la plus vulnérable aux migrations irrégulières au Burundi, d'emprunter la voie officielle de la migration légale. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONST ou ton frère, voudrait demander au gouvernement de la République du Burundi, premièrement, de demander aux pays de destination des Burundais migrants de les traiter avec dignité et humanité, et non pas d'une façon déshumanisante en les emprisonnant
parfois même arbitrairement, peu importe les chefs d'accusation. Deuxièmement, d'offrir tout ce qu'il faut pour négocier avec le gouvernement de ces pays de destination pour qu'en étroite collaboration avec les différentes ambassades du Burundi accréditées dans ces pays de destination, de délivrer aux Burundais migrants dont les papiers ont déjà expiré une attestation de reconnaissance tenant lieu de passeport ou de laisser passer temporaire leur permettant de retourner au Burundi pour ceux qui le désirent, pour le renouvellement de leurs documents de voyage ou de séjour à l'étranger. Troisièmement, de ne pas privilégier seulement le système de demande des audiences en ligne au sein du commissariat général des migrations au Burundi pour obtenir des documents de voyage, car il s'est déjà révélé que la majorité des Burundais n'ont pas accès à l'Internet. La comité d'organisation de la caravane du flambeau de la paix annonce que la 18e édition 2024 débutera ce 9 novembre suivant le nouveau découpage administratif de 5 provinces. Au cours d'une conférence de presse au palais, Nare House, ingénieur Epipo de Baranyikwa, président du comité d'organisation, explique que la caravane sera une invitation à des élections apaisées, libres et transparentes, suivez-le. Le thème de cette 18e édition est le suivant. Abarundi twitorere indongozi zizodushikana kumbona kazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060. Qui veut dire Burundais? Votons pour des leaders qui nous guideront vers la réalisation de la vision d'un Burundi émergent en 2040. Et développé en 2060. La 18e édition du Flambeau de la paix 2024 sera vécue comme un prélude à tout ce que nous allons vivre en 2025. Une invitation et une mobilisation à des élections apaisées, libres, transparentes. Rendez-vous donc à tous ce samedi le 9 novembre 2024 au stade Runani de Buganda. À l'international, Donald Trump vient d'être élu 47e président des États-Unis et d'Amérique au cours des élections qui se sont passées le 3 novembre. Les informations tirées sur France 24 indiquent que du côté du camp des démocrates, des interrogations se posent. D'où est partie leur défaite? Images et commentaires. Là, je me demande juste si je peux réserver un hôtel à Washington pour son investiture, mon ami. Amen. Amen, amen. 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 De la Géorgie à la Floride, les partisans de Donald Trump sont en liesse. Le candidat républicain a réussi son pari. Je voudrais remercier le peuple américain pour l'extraordinaire honneur de m'avoir élu 45e et 47e président des États-Unis. Nous allons entrer dans un âge d'or américain. C'est ce que nous allons avoir. À Washington, les visages des partisans de Kamala Harris racontaient une autre histoire à mesure que les États pivots basculaient en faveur de Donald Trump. Sur un air disco, de plus en plus en décalage avec la déception. Nous avons encore des voix à compter. Il y a encore des États en attente. C'est pourquoi la vice-présidente ne va pas s'exprimer. À mesure que les grands électeurs dessinent la victoire de Donald Trump, les questions se bousculent dans le camp démocrate, à commencer par pourquoi. Peut-être parce que Kamala Harris est entrée en campagne trop tard. Une partie de ce qu'il s'est passé repose sur Joe Biden. Son incapacité à avoir compris plus tôt qu'il devait se retirer, qu'il n'était pas capable de faire un second mandat. Les électeurs républicains ont une raison de plus de se réjouir. Le parti reconquiert également la majorité au Sénat. Il est aussi en avance dans la course pour la Chambre des représentants. S'il l'emporte dans cette dernière, Donald Trump aura aussi le contrôle des principales institutions du pays. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.